Les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler Mercato. Le Real doit-il foncer sur l'opportunité Kane Pendant un mois et demi, voilà ce qu'on va faire. On va éplucher les rumeurs Mercato côté Real. On traitera joueur par joueur. On verra si ce joueur doit et peut signer au Real Madrid. Et en toute fin de vidéo, je vous donnerai ma note sur la potentielle arrivée de tel joueur. Aujourd'hui, on commence par Harry Kane qui, à un an de la fin de son contrat, est annoncé dans plusieurs clubs européens, dont évidemment le Real Madrid. Et donc, c'est toujours intéressant, je trouve, d'analyser des joueurs et voir s'ils sont réels compatibles et surtout si le Real doit financièrement s'investir pour euh, ses joueurs. Donc, on va commencer par Harry Kane. Sachant que le mercato du Real a déjà commencé. Bellingham, et ça a été confirmé cet après-midi, je tourne le vendredi 26 mai. Il arrive la semaine prochaine après son potentiel titre en Bundesliga avec Dortmund. Donc il a bien fait les choses, l'anglais. Il voulait d'abord terminer sa saison avec Dortmund et partir dans la foulée du côté du Real. Donc la semaine prochaine, préparez-vous à une vidéo. Bellingham. Fran Garcia lui aussi s'est acté depuis cet hiver, il va rejoindre le Real en tant que latéral gauche. Fernand Mendy devrait de son côté quitter la Casablanca et là aussi le Real cherche un latéral gauche. Il y a plusieurs rumeurs, Robertson, Alfonso Davies, on fera évidemment des vidéos sur ces joueurs. Mais donc voilà, le Real sur le secteur offensif, on a déjà Vinicius et Rodrigo sur les côtés. Asensio devrait prolonger mais il y a une vraie question, personne cette année a pu remplacer Karim Benzema. Kane, excusez-moi, c'est le joueur qui aujourd'hui en Europe a le style de jeu qui se rapproche le plus du français, cette espèce de neuf. Numéro 10, hein, cette espèce de joueur hybride capable d'être meneur de jeu, mais également buteur. Un joueur qui confirme son statut de l'un des meilleurs joueurs de Premier League depuis des années. Il enchaîne euh, ben les saisons à plus de 30 buts. Cette année c'est encore 30 buts. C'est exceptionnel. Il arrive à un an de la fin de son contrat. Il y a une vraie question à se poser du côté du Real Madrid. Est-ce qu'on fonce sur Harry Kane et on est tranquille pendant les 4 prochaines années Ou est-ce qu'on ne va pas dessus et on attend l'année prochaine des prochaines cibles, euh, on va dire plus premium? Donc vous avez compris de qui je parle. Mais on va d'abord analyser Harry Kane. Donc, ça, c'est sa saison de cette année. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il a toujours été titulaire et surtout, regardez, 100% des minutes jouées. Donc, c'est un joueur qui, physiquement, est très préparé. C'est pas un joueur qui se blesse beaucoup. À l'inverse d'un Benzema cette année, qui lui a 36 ans. 37 matchs en première ligue. 28 buts, 3 passes décisives et toute compétition confondue, il est à plus de 30 buts. Donc c'est un joueur qui est tout le temps présent et qui est donc euh, investi sur 47% des buts de Tottenham cette saison. C'est exceptionnel. C'est un joueur qui malheureusement dans sa carrière n'a jamais remporté le moindre trophée. À l'aube de ses 30 ans, il a envie d'un nouveau challenge, que ce soit euh, bah, hors Première League en Allemagne. Peut-être au PSG, peut-être au Real, mais il a besoin pour sa legacy d'aller chercher des titres. Parce qu'un joueur de cette qualité-là, aussi fort soit-il, s'il termine avec zéro trophée à la fin de sa carrière, ça va vraiment faire tâche. Donc ça, c'était pour les stats de la saison première ligue 2022-2023. Je vous ai mis maintenant ces stats-là. Donc Harry Kane, c'est le meilleur buteur de la sélection anglaise. 82 matchs. 55 buts. Les stats avec Tottenham sont assez indécentes. On parle d'un club comme Tottenham. Imaginez-vous s'il avait joué pendant, on va dire, 5-6 ans du côté de Manchester City. 434 matchs, 278 buts. C'est le meilleur buteur de l'histoire des Spurs, 64 passes décisives. Et en Première Ligue, là aussi, ratio totalement fou. 319 matchs, 211 buts, 50 passes décisives, en gros. Bah, C'est tout simplement le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue. Seul Alan Shearer fait mieux que lui. Donc, soit il décide de rester en Angleterre, que ce soit à Tottenham ou dans un autre club tel que Manchester United ou Chelsea ou peu importe, et il va tenter d'aller chercher ce record absolument mythique pour les Anglais. Et à ce moment-là, Harry Kane serait... Possiblement meilleur buteur euh, des, euh, des Three Islands euh, donc des, euh, de la sélection anglaise, et meilleur buteur de l'histoire de la première ligue. Et là, il a soit son statut de meilleur attaquant de l'histoire de l'Angleterre anglais, soit il décide de quitter son cocon, de quitter son pays, prend un risque à 30 ans, mais va chercher des titres dans un club qui va dominer certainement son championnat, que ce soit le Bayern, euh, le Real avec le Barça, ou le PSG. Avec la Ligue 1. Voilà en gros où on en est aujourd'hui avec Harry Kane. Ça reste un joueur très compétitif. Je vous l'ai montré là. C'est un joueur qui joue tous les matchs, toutes les minutes. C'est un joueur qui est présent, qui est très efficace. Donc le profil euh, statistique est très intéressant. Le style de jeu du joueur est quand même ultra réal compatible puisqu'il a le style de jeu d'un Karim Benzema avec 6 ans de moins. Ouais, la question mérite d'être posée. Est-ce que le Real peut aller mettre 80 millions d'euros puisqu'il est à un an de la fin de son contrat Alors, je ne sais pas si je vous l'ai mis. Non, je ne l'ai pas mis là. Non, moi, je ne l'ai pas la, la slide, dommage. Il est à un an de la fin de son contrat pour aller remplacer un Karim Benzema qui, lui, va fêter en 2023 ses 36 ans. Il fait une très bonne année, encore une fois, mais... À la différence des années précédentes, on le remarque objectivement, le français se blesse de plus en plus. C'est tout à fait normal. L'intensité des, des, des matchs à répétition fait que le corps euh, peut ne pas suivre. Et donc Benzema euh, est blessé. Le Real n'a pas de remplaçant. Et que fait le Real en, en l'absence de, de Benzema On met du Rodrigo, on met du Asensio. Alors il y a deux options. Soit le Real va chercher un remplaçant pour une année du Rossellou. Euh, je crois qu'il est au Celta Vigo ou à l'Espagnol. Et on attend 2024 et on tente Mbappé ou Allende, on en parlera juste après. Soit on règle le problème dès cette année, on pose 80 millions sur Harry Kane et le Real est tranquille pour les 4-5 prochaines années. C'est un vrai dilemme, un vrai dilemme, parce que l'année prochaine, ces deux joueurs seront potentiellement accessibles. Allende, on ne connaît pas sa clause, mais on sait qu'il a une clause dès l'année prochaine. Certains journalistes parlent d'une clause de 150 millions d'euros. 150 millions d'euros pour Hollande à 22 ans avec la saison qu'il fait. Je ne dis pas que c'est donné parce qu'on parle de sommes mirobolantes, mais c'est pas si cher que ça. Et puis vous avez Mbappé qui lui euh, n'a pas euh, activé sa clause de prolongation de contrat, ce qui fait qu'en 2024... Comme en 2022, il sera libre de tout contrat et pourra bah, soit continuer son aventure avec le Paris Saint-Germain comme il a fait en 2022, soit s'engager librement dans un autre club européen. Donc voilà, le Real va avoir ce dilemme. C'est un coup euh, à, à trois bandes, c'est Kane maintenant. Ou on prend le risque l'année prochaine d'avoir aucun des deux joueurs. Parce que c'est potentiellement ce qu'il peut arriver. L'année prochaine, on peut se retrouver avec un Real. Oui, il y a André qui arrive, mais il aura 19 ans. Euh, il n'enchaîne pas non plus les buts du côté de Palmeiras, donc il n'aura pas le niveau d'être un titulaire indiscutable du Real Madrid. Il aura une transition comme avec Rodrigo, comme avec Vinicius, et il ne sera pas titulaire indiscutable du Real Madrid en arrivant. Donc, le Real, comme je l'ai dit, peut régler le problème de son attaque dès ce mercato en allant chercher Harry Kane. Mais on est aussi sur un joueur qui a 30 ans, dont ses meilleures années sont derrière lui. C'est pas dans la politique du club d'acheter des joueurs euh, trentenaires. Alors, ils vont acheter des joueurs libres de tout contrat, tels que Rudiger et Alabama, mais On parle de joueurs libres de tout contrat. La politique du club, c'est d'investir sur des joueurs qui vont rester au club, tels que Bellingham, tels que Chouameni tel que Camavinga. Ça, c'est la politique du Real Madrid. C'est pas d'investir des dizaines, voire des centaines de millions d'euros pour un joueur qui a 30 ans. On est plus dans l'objectif de les vendre, tel que Ronaldo lorsqu'il a eu ses 33 ans et qu'il est parti pour 100 millions du côté de la Juventus. Oui, on peut avoir Mbappé l'année prochaine libre. Moi, je ne suis pas spécialement pour. C'est un joueur qui peut poser des problèmes dans le vestiaire, qui a des problèmes avec les droits d'image, qui peut... C'est un joueur exceptionnel, j'adore Mbappé, mais c'est un joueur qui veut trop de pouvoir. Et est-ce qu'il voudra du pouvoir au Real Je pense que oui. Et puis on a un joueur comme Erling Haaland qui est en plein rêve du côté de Manchester City. L'histoire est incroyable dans le club de son papa. Il va peut-être réaliser le premier triplé historique de l'histoire de Manchester City ramener la première Ligue des Champions pour sa première année. Il a battu les records en première Ligue il est meilleur buteur de la Ligue des Champions. Il ne pouvait pas rêver mieux pour sa première saison. Est-ce que lui pourra se dire « Bon, City, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Champion d'Angleterre, champion d'Europe, meilleur buteur de première ligue. J'ai fait ma legacy là-bas, je peux partir tranquille. » C'est possible. Soit il va se dire « Maintenant, je suis bien là. Je suis bien, il y a Guardiola. Je suis assuré de faire mes 50 buts par saison. Je joue dans le championnat le plus médiatisé du monde. » Moi, je préfère rester du côté de Manchester City. Donc, si le Real ne prend pas Harry Kane cet été, le Real peut aussi, et ça c'est une option, perdre les deux cibles prioritaires l'année prochaine, comme ça a été le cas en 2022. Si ces joueurs ont dit non au Real en 2022, ils peuvent très bien dire non au Real en 2024. Et ça, il faut se le rentrer dans la tête. Est-ce qu'Mbappé ne va pas encore utiliser le Real pour négocier à ses fins personnelles Est-ce que Aland ne va pas rester, euh, je ne vais pas dire dans son cocon parce qu'il a pris des risques en la City, mais dans un club qui fonctionne très très bien et qui peut potentiellement dominer la prochaine décennie C'est un dilemme. Et en même temps, de l'autre côté, bah, est-ce qu'on doit prendre un joueur qui a 30 ans, qui a ses meilleures années derrière lui Voilà. Donc, pour tout ça, ma note globale de ce transfert... Et de 7 sur 10. Je peux pas mettre moins parce qu'on parle d'un joueur qui est quand même très fort, qui est performant, qui joue toute la saison, toutes les minutes de jeu et qui prouve année après année qu'il est très régulier. Je peux pas mettre plus parce que c'est un joueur qui a 30 ans et qui va verser moins bonnes années, avec la possibilité pour le Real bah, de se bloquer, si on prend Harry Kane, Haaland et Mbappé, qui eux représentent euh, le Real Madrid s'ils venait à signer pour les 10 prochaines années. C'est une stratégie d'entreprise. c'est pas moi qui vais choisir. Donc c'est pour ça que je trouve que cette note sur 10, de 7 sur 10 pardon, est, plutôt, est plutôt logique. Voilà les amis ce que j'avais à dire sur Harry Kane côté Real Madrid. Donnez-moi votre avis sur le joueur. Donnez-moi votre note sur 20. Euh, ouais non, sur 10, pardon. Je vais y arriver. Sur le transfert de l'anglais du côté du Real. Et évidemment... Si euh, on sent qu'il y a des prémices d'un transfert, à ce moment-là, on fera une vidéo plus poussée pour analyser le joueur dans les moindres détails et voir vraiment sa compatibilité avec le Real Madrid. Merci à tous les amis pour votre fidélité. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait parce qu'on est bientôt 300 000. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!